Ok, bonjour à tous, merci de votre présence pour cette deuxième édition, cette deuxième visio autour de l'expédition Rennes-Pôle Nord, donc deuxième d'une série de trois, accueillie par EduLab, qu'on remercie chaleureusement pour nous ouvrir ses portes, et donc visio pendant laquelle vous allez pouvoir suivre donc, l'expédition de Vincent sur la banquise. Et où on va pouvoir faire un petit rappel de ce qui se passe en ce moment pour lui là-bas, et où vous pourrez donc découvrir un petit peu l'avancée du projet et lui poser des questions en direct auxquelles il répondra avec toute la chaleur qu'il pourra. Alors pour faire un petit point sur là où en est le projet, ça y est, Vincent, après avoir fait un petit parcours en bateau sur Trifon, a fini par toucher les côtes de la banquise en début de semaine. Finalement, suite à un petit changement de programme à cause d'un petit souci météo qui était un petit peu difficile pour le brise-glass, il a été décidé que Vincent accosterait sur la banquise avec le Trifon. Donc Trifon l'a accompagné jusque là-bas pour ce début de parcours. Mais ça y est, lundi, Vincent est arrivé, il est bien arrivé, il a commencé à nous envoyer des images et a commencé, dès le début de semaine, à faire ses premiers échanges en visio avec les classes des écoles de la ville de Rennes, avec qui il a commencé donc à échanger. Donc, je ne sais pas si on voit les images de ses premières visios. Ok, très bien. Donc pour revenir un petit peu en arrière, donc on rappelle que voilà, donc Vincent est parti de Rennes à vélo. Le projet a évolué à cause des conditions sanitaires et donc il a rejoint Saint-Malo. Alors on revient, voilà, on voit les images dans les écoles. Donc là, je ne sais pas exactement quelle école c'est. Alors là, nous sommes à la maison des squares, me donne l'équipe technique. Et on en voit une autre qui s'est passée à l'école Jeanne d'Arc. Donc on imagine bien l'enthousiasme des enfants de revoir et de enfin pouvoir discuter avec Vincent en direct du Grand Nord. Je ne sais pas si tu mets d'autres images. Non, ok. Donc ouais, donc pour petit récapitulatif, donc Vincent est parti de Saint-Malo sur le Trifon. Il a donc rejoint les Féroé dans un premier temps pour faire une première escale, après avoir longé les côtes de l'Écosse. Puis il est arrivé donc en début de semaine sur la banquise. Donc là, on peut voir son trajet qu'il a réalisé depuis le tout départ. Donc on voit, il a longé les côtes de l'Écosse, un petit arrêt au niveau des Féroé. Si on zoome un petit peu, on va pouvoir voir l'étape, parce que les îles Féroé sont toutes petites, donc là on les voit pas vraiment. Voilà. À Torsvann. Donc là ils sont restés quelques jours, puis ils ont rejoint le nord de l'Islande, avec une petite pause pour laisser passer un petit coup de vent météo, et enfin rejoindre l'Islande tout récemment. Donc là on a reçu des premières images de Vincent, qui est arrivé sur la banquise, et qui nous a transmis... J'en profite pour vous dire que si vous voulez suivre le projet de l'expédition Rennes-Pôle Nord, n'hésitez pas à vous rendre sur les réseaux sociaux où vous allez pouvoir voir les images que nous envoie régulièrement Vincent, les images et les vidéos comme ici, les actualités de son expédition, donc les éventuelles rencontres qu'il peut faire, les éventuelles nouveautés qui peuvent se passer dans le projet. Et vous allez pouvoir aussi voir toutes les semaines, donc là on voit le dessin d'Hugo Le Tellier qui agrémente le projet de Vincent en dessinant un dessin par semaine. Alors on était tout à l'heure sur la météo, on va peut-être pouvoir revenir sur la météo éventuellement, pour voir un petit peu où on en est dans l'Atlantique Nord. Donc là, c'est une carte Windy, c'est celle qui nous sert pour suivre un peu l'évolution météo du projet. Et donc là, bah, la bonne nouvelle, c'est que dans les prochains jours, a priori, pas de soucis sur le front nord.
Donc tout semble correct et Vincent va pouvoir continuer l'expédition sans trop se tracasser par la météo. Voilà, donc moi j'ai terminé à peu près le speech que j'avais à faire. Il nous reste à peu près 2 minutes avant que Vincent nous rejoigne en légitime différé. Mais peut-être éventuellement, si vous avez des questions à poser sur un autre aspect, donc pas forcément directement à Vincent du projet, ou éventuellement sur les Dulab qui nous accueillent, n'hésitez pas, je suis ici pour répondre aussi à vos questions. Notamment Enzo, j'ai vu que tu étais présent sur le chat, alors n'hésite pas, si tu veux échanger, ici Joachim, à vous les studios. Ah oui, donc je peux présenter un petit peu les gens qui sont ici. Donc on est quand même accompagné de la compagne de Vincent, mais aussi de la maman de Vincent qui est présent et qui est venue suivre l'avancée du projet. On se doute bien que la maman s'inquiète un petit peu pour son Vincent. Et j'ai un petit gling qui me fait comprendre que Vincent approche. Et j'en profite aussi pour vous dire que n'hésitez pas à venir assister à l'EduLab la semaine prochaine en direct à la visio, parce que c'est à la fois quelque chose qui est retransmis en direct sur les réseaux, mais c'est aussi quelque chose qui peut à présent être réalisé en présentiel, donc on en profite, ça fait du bien de voir un peu des gens et d'accompagner le projet. Que dire Et les visios vont en effet continuer en dehors de ce projet de visio à l'EduLab, en direct dans les classes, les différentes classes. J'imagine qu'il y a une visio quasiment tous les jours dans les classes. Peut-être que Marion, tu vas pouvoir m'en dire un peu plus. À peu près 5 ou 6 visios par jour. Voilà, donc on me confirme qu'il y a à peu près 5 à 6 visios par jour. Voilà, 3 le matin, 3 l'après-midi. Donc un programme bien dense pour Vincent, qui doit apprendre à gérer avec tout ça. Ok, donc on reçoit un coup de fil, un petit temps d'attente, s'il vous plaît. Allô, allô Vincent, allô j'écoute, ici Joachim, comment vas-tu ? Bonjour, ça fait longtemps. Je te reçois 4 sur 5. Ok. Tu me dis si c'est pas assez fort, à ce moment-là, je pourrais passer en... Ok. N'hésitez pas à couper la vidéo de votre côté. N'hésitez pas à couper la vidéo de votre côté pour améliorer le... Ok, mais là vous m'entendez pas du tout là, ça marche pas du tout. Ok, je pense qu'il faut. Ouais. Ok. Eh bien, donc on est arrivé au Groenland il y a 3-4 jours maintenant. Au sud d'un fjord qui s'appelle Skoresbysund. Voilà, c'est le fjord avec le village le plus au nord sur la côte est du Groenland. Un village qui s'appelle Itokotormit, qui est à peu près à 150-200 km d'ici. Et moi, je suis un peu plus au sud, dans un fjord, voilà, maintenant,
à l'intérieur d'un fjord et on m'a déposé sur la glace dérivée un petit peu plus au large il y a maintenant 2 jours. Et donc depuis. Exactement, j'ai touché la terre du Groenland. Et voilà, en fait, j'étais sur la glace jusqu'à hier. Et j'avais envie de venir dans ce fjord-là pour aller passer entre cette. Là, en fait, c'est pas la terre, c'est une île. Et il y a un fjord qui rentre à l'intérieur et qui débouche sur l'extérieur aussi. Parce qu'il paraît, il y a des sources d'eau chaude à visiter. Donc, j'avais ça comme objectif. Et là, vous avez l'impression que c'est tout calme, qu'il n'y a pas de glace. Mais c'est parce que le vent a poussé toute la glace cet après-midi de l'autre côté, là où il y a la bande de nuages blancs. Sous les nuages blancs, c'est rempli de glace. Et hier, elle était de ce côté-ci et ça fait couvert de glace. Et il y avait beaucoup de courant, donc j'ai préféré mettre le bateau en sécurité sur la plage. Ok, bah oui, Ce on qui le est plutôt comprend. aussi pratique pour réaliser les visioconférences avec les enfants, notamment hier, enfin hier, aujourd'hui et demain. C'est quand même plus pratique d'être sur la terre ferme que sur de la glace, parce que la glace, eh bien, ça bouge, et ça bouge très très vite en fait. Je ne m'attendais pas à ça, peut-être que c'est parce que je suis au bord de la terre que ça bouge vite avec les courants, mais ça bouge assez vite et il faut faire très attention en permanence. Donc voilà, comme j'ai d'autres programmes aujourd'hui et demain, je me suis mis à terre. Donc ça fait partie un peu de tes premières réactions, enfin tes premières constatations, c'est qu'en effet la glace se déplace plus vite que ce que tu pensais. Et comment ça se passe tes déplacements? Est-ce que c'est aussi simple que ce que tu envisageais ou est-ce que tu as eu des complexités? Ben, c'est vraiment ça, comme tu le disais. Bon, moi, je suis complètement nouveau dans la progression en milieu polaire, et notamment sur de la glace flottante. Et depuis que j'ai vu mon premier morceau de glace, donc c'était maintenant il y a une semaine entre l'Islande et le Groenland, eh bien, je fais plein de constats, d'apprentissage. Et donc, ils sont assez nombreux. Le premier, ça a été que voilà, les images satellites sur lesquelles on a beaucoup travaillé, donnent des informations sur la glace qui sont assez différentes de la réalité. Et je pensais que la glace est beaucoup plus petite. En fait, pas du tout. C'est pas du tout des grandes plaques. C'est vraiment beaucoup plus des successions de plaques comme celles que vous avez derrière. Donc, certaines sont épaisses avec pas mal de blocs les unes sur les autres, là, comme. Vous avez celle-ci là qui est à ma gauche. Donc celle-ci, a priori, elle viendrait plutôt de très très loin. Ça serait de la glace qui viendrait Et on a un deuxième type de blocs qui sont les blocs là, peut-être comme vous voyez ici, qui sont beaucoup plus, enfin, de plaques qui sont beaucoup plus plates et qui viennent des fjords. Donc moi, je pensais trouver plutôt la deuxième catégorie et en fait, je trouve beaucoup de la première. Donc c'est assez embêtant pour progresser avec le brise-glace. Ça veut dire que eh bien, quand toutes ces plaques sont les unes à côté des autres, il faut passer par-dessus. Il faut tirer le bateau dans les positions possibles. C'est ce que j'ai fait une bonne partie de la soirée hier soir. Et c'est complètement épuisant. Et j'avais un peu peur pour le bateau. C'était la première fois que je le traînais dans des conditions comme ça. Donc j'étais un peu angoissé par rapport justement au matériel. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de risques pour moi parce que je naviguais vraiment à côté de la terre. Et pour le matériel, j'avais un peu peur. Et en fait, ça l'a fait. J'ai vérifié la coque ce matin-là. Il n'y a presque pas eu d'égratignure. Donc, c'est plutôt encourageant pour la suite. Mais bon, l'objectif aussi de ces 2 premiers jours-là, enfin, ces 3 premiers jours près du Groenland, là, c'était de pas trop forcer, de prendre le temps d'apprendre. Et justement d'apprendre à se bouger sur la grande glace. Donc le premier constat, c'est qu'il n'y a pas de grande plaque. Le deuxième constat, c'est que ça bouge beaucoup. Et donc la conséquence de tout ça, c'est que c'est quand même beaucoup plus facile de se déplacer sur l'eau que sur la glace. On t'entend pas toujours très bien, mais bon, on a quand même Voilà, compris un petit peu que tu les pensais ta. premiers ressentis de progression. Ouais, on a quand même compris que tu as du coup des toutes petites plaques de glace par rapport à ce que tu t'attendais, mais que
Par contre, le constat positif, c'est que le matériel se tient bien la route et que le brise glace est plutôt performant dans les conditions. Alors, j'ai une question. Alors, je ne sais pas si toi, tu m'entends bien. Nous, c'est juste qu'on, je pense qu'il y a peut-être un petit peu de vent. Il y a un petit peu de vent là où tu es, peut-être. En kit main libre, vous m'entendrez peut-être mieux. Éventuellement. Ouais, voilà, c'est bon, vous m'entendez mais... Ah oui, là, alors là, c'est beaucoup mieux. Bonne initiative. Alors, j'ai une question, on a quelques questions qui commencent à arriver. Donc, on a Capucine, 6 ans de l'école de Jeanne d'Arc, avec qui tu as peut-être déjà échangé cette semaine, qui voudrait savoir si tu n'as pas trop froid. Et oui, c'est la question qu'on se pose tous, évidemment. Bon, de manière générale, oui, il fait froid. Mais par contre, c'est pas voilà, quand il fait beau comme ça, hein, c'est un froid sec qui est assez facile à vivre. Hein, il suffit de se mettre bien des épaisseurs. Tout à l'opposé de voilà, il y a quelques nuits là, quand on naviguait voilà entre l'Islande et le Groenland, on a traversé une grande étendue de glace avec le voilier et c'était très compliqué à traverser, un vrai labyrinthe. Et là, on a eu pendant la nuit vraiment des nuits très froides, hein, avec du givre, voilà, de la pluie verglaçante, des trucs assez difficiles à vivre. Et surtout, on était très statique, quoi. On était en veille à essayer de faire un truc parmi les glaçons. Donc là, c'était dur à vivre. Et ici, là, ça va. Il n'y a pas de. C'est plutôt assez simple. Donc là, j'ai de la chance, j'ai du soleil, parce que n'y a pas de glace autour de moi. Ce qu'on a vu derrière là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les nuages blancs, en fait, ils sont produits par l'évaporation de la glace. Et donc, si j'avais été sur la glace, eh bien, je serais en plein brouillard. Donc là, je suis plutôt content. non, pas trop froid. Et du coup, alors j'avais une question que je viens d'oublier en même temps. Mais si quelqu'un a une question, il y a ta sœur Sophie qui a une question que ta mère va nous transmettre. Coucou Vincent. Alors je sais pas si tu entends, mais sinon je peux faire le relais entre la question. Ouais, je veux bien que tu fasses le relais, ouais. Ouais. Coucou Vincent. Voilà. Bah écoute, je te reconnais à peine avec ta barbe. voilà, j'ai un petit message, il y a Sophie. Qui a vu la dernière photo là où tu es sur la glace avec ton embarcation et elle se posait la question, est-ce que tu avais tout et tu étais rattaché à ton bateau pour des questions de sécurité, est-ce que tu es toujours rattaché? Donc non, je suis pas attaché parce qu'en fait si je suis pas sur le bateau n'avance pas, donc il n'y a pas de raison d'être attaché. Contrairement sur un voilier où voilà, le voilier continue à avancer, peut continuer à avancer tout seul quand on tombe à l'eau. Sur un bateau à rame, et bien quand tu tombes à l'eau, et bien il s'arrête là où tu l'as quitté. Donc non, je suis pas attaché. Merci. Alors une réponse très rassurante, Vincent, pour sa famille. Mais bon, c'est pas possible. Hein, c'est impressionnant. Moi, c'est la première fois que je faisais ça aussi hier. Par exemple, il y a des moments où tu dois laisser ton bateau sur une plaque de glace, prendre une grande ficelle, tu vois, de genre 20 mètres, sauter les plaques sur 20 mètres et ensuite arriver sur une plus grosse plaque. Et là, tu tires ton bateau depuis l'endroit où tu es. Et donc c'est un peu un jeu d'équilibriste hein, parce que des fois il y a tu penses monter sur des morceaux de glace qui vont voilà qui sont un peu épais qui vont flotter en fait pas du tout. mais ça va comme je suis dans une combinaison intégrale étanche et flottante, il n'y a pas trop de risque. Par contre, tu dois avoir vite très très chaud en faisant tout ce sport de plaque en plaque quoi. Ouais, c'est ça le souci. Ouais. Je suis sorti de là, j'étais en nage. Tu avais une question, Pomme? Oui, j'en ai peut-être. Est-ce que tu veux que je transmette? Je me demandais un peu quel genre de faune il avait croisé pour la
Alors, on a une question de Pomme qui se demande quel type de faune tu as croisé pour l'instant. Est-ce que c'est plutôt quelque chose de désertique, désolé, ou est-ce qu'il y a des oiseaux, est-ce qu'il y a des choses, des mammifères marins? Non, il y a plutôt beaucoup d'animaux. Enfin, je trouve, comme c'est désert, tu les vois vite, les animaux. Alors, les mammifères marins, j'en vois plus trop. Il n'y a plus que les phoques que je vois de temps en temps. Maintenant que je suis à la côte, là, je vois plus trop de phoques. Ce que j'ai commencé à voir, là, je ne sais pas ce que c'est. C'était une espèce de poule blanche à l'œil rouge. Je vous enverrai une photo tout à l'heure. C'était assez étonnant. Ça avait une démarche un peu de petit dinosaure. Et sinon, je vois beaucoup d'oiseaux migrateurs, des oies, des canards, qui voilà, j'imagine, vont passer l'été sur le continent américain. Contrairement à l'Islande, où là, on voyait beaucoup, beaucoup comment dire, d'oiseaux migrateurs qui, eux, vont en Europe. Voilà, mais c'est plutôt assez vide, hein. J'ai aperçu un renard hier, un renard qui était en pleine mue, donc il passait de sa couleur blanche d'hiver à une couleur gris foncé d'été, donc il n'était pas très 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 très, très joli, hein. Il perdait ses grosses touffes de poils. Plus haut, vraiment plus haut, à Scoresbysund, là, au fond, à ce qui paraît, il y a des bœufs musqués, mais j'aurais pas l'occasion d'en voir, moi, après. D'accord. Satisfait? Alors, on a une question que j'avais pas vue, qui était un peu plus haute. Et oui, une question pratico-pratique de Joël Larivière qui nous demande comment tu fais tes besoins. Oh, ici, il n'y a pas grand monde pour te regarder faire, donc tu fais un petit peu comme tu as envie, comme tu as envie. Simplicité, finalement. Ce que tu fais, c'est tes besoins dans la nature. Simplicité, voilà, grande simplicité. D'accord. Donc, tu ne ramènes rien à la maison. Je ne ramène rien à la maison. Très Exactement. bien. Alors, nous avons une question de Maxime de l'école Jeanne d'Arc à nouveau. Quelle sorte de poisson arrives-tu à pêcher? Et donc, est-ce que tu pêches? Alors, je ne pêche pas et je n'ai pas vu de poisson. J'ai posé la question à un ami qui connaît assez bien l'endroit. Bon, au début, je ne voulais pas pêcher, mais je lui ai demandé si ça valait quand même le coup que j'essaye. Il m'a dit que non, il n'y a pas grand intérêt. Bon, j'ai pas Donc vu peu de intérêt. poissons. Une question de Lucas. Est-ce que dans tes moments de solitude et de doute, Tinours t'apporte du réconfort? Ouais, bah il est toujours là, à côté de moi. Là, je l'ai remis à sa place tout à l'heure. Ouais, c'est mon équipier de choc. Et bah, et du coup, moi, ça Il y va. a, il, Et moi, ça m'amène à une question que je me pose justement. Comment ça s'est passé après cette longue montée depuis Saint-Malo jusqu'à l'Islande, puis de l'Islande aux côtes du Groenland, avec un équipage du coup accompagné? Comment ça s'est passé les premiers jours où tu t'es retrouvé enfin seul? Eh bien, bah ça commence tout juste, hein. Ça Va, t'es bien? fait depuis 3 jours, hein, que je suis seul. Bah c'est plutôt sympa, hein. Je suis pas encore rentré dans ma routine parce que j'ai encore pas mal de petites de les journées vraiment remplies en général. Aujourd'hui, j'espère faire plus tôt pour justement avoir un petit peu plus de temps pour me retrouver seul et prendre plaisir à ça aussi, quoi. Mais non, je suis plutôt content là. Oui, puis au final, Mais tu t'y étais bizarrement, j'ai préparé. voilà, j'ai croisé du monde encore hier, hein. Hier, j'étais pas seul parce que j'ai croisé un groupe de chasseurs locaux là, avec qui j'ai échangé quelques mots en mer. C'était rigolo de croiser encore du monde ici, quoi. Comme quoi l'homme est bien partout. Ouais, bah là ça va commencer à être un peu plus dur, hein, parce qu'ils ont fait demi-tour après m'avoir croisé, ils ont fait demi-tour. Suis pas sûr qu'ils descendront plus au sud s'il y a trop de glace. On a une demande de l'Assemblée qui est-ce qu'on pourrait voir ton bateau?
Et ça rebondit avec une autre demande d'une élève qui aimerait savoir si tu peux poster des photos d'animaux quand tu envoies. Ouais, il y en aura une qui sera diffusée ce soir parce que j'aurai encore besoin de vous pour reconnaître cette drôle de poule que j'ai trouvée sur la toundra, là, juste au-dessus. Donc voilà, brise-glace. Voilà, les seules rayures qui ont été faites ont été sur le texte, sur les autocollants. Mais sinon, j'ai l'impression que il est bien en entier. Là, tout autour, vous voyez, il y a des piquets blancs là. Il y a un petit fil très très fin qui fait le tour du canton, hein, relié à une alarme. C'est ce qu'il y a dans le petit dans la petite pochette violet là-bas. Et c'est l'alarme anti-intrusion, quoi. C'est pour les ours. Je vais présenter avant de partir si jamais tu croises un ours. Ouais, voilà. Donc voilà, tout est bien rangé. Non, là, bon, c'est aussi les premiers jours, ils sont faits pour ça, hein, pour voir si tout fonctionne bien. Et là, je vais commencer à ranger des choses dans des sacs en disant que j'en ai besoin. Quoi. Donc, c'est déjà ce que j'avais un petit peu fait après la première sortie en Islande. Et là, je me rends compte qu'il y a des trucs, bon, c'est pas forcément nécessaire. Je vais bien les ranger au fond. On a une question dans l'assemblée. Est-ce que, même si on sait que les journées sont très très longues, est-ce que tu as un peu de nuit? Non, pas du tout. Pas du tout, du tout. Bon, j'ai arrêté de comment dire, de me réveiller la nuit pour naviguer. Maintenant, je fais des journées et des nuits comme tout le monde. Mais quand voilà, les derniers jours où j'ai fait de la navigation de nuit, il faisait jour même à 2, 3, 4 heures du matin, il faisait jour. Et sachant la justice. Voilà, je pense que je ne verrai pas la nuit, je reverrai la nuit. Ouais, ça pose aucun souci. Ça pose vraiment aucun souci. Le seul truc qui est un peu étrange, et je me suis fait avoir tout à l'heure, c'est que je dors à l'intérieur ici, là, et quand je me réveille, il ne faut pas que j'aille trop vite au hublot, sinon je m'aveugle pour quelques instants parce que la lumière est vachement forte. Donc, il faut que je fasse attention à ça, c'est tout, quoi. Donc, on a une proposition pour ta poule de quelqu'un qui écrit sur le chat. A priori, ce serait un lagopède. Ah, ça pourrait être ça, ouais. Là, c'est vraiment ouais, un corps blanc, une tête, un œil rouge, enfin, le tour de l'œil rouge. Et un cri, vraiment, on dirait un petit dinosaure, hein, une démarche de dinosaure quand ça court. Et bah chouette, parce que c'est un lagopède que j'ai justement sur la tête. Ça l'a attiré sûrement. Voilà, ça doit être ça. Et au niveau de tes repas, tout va bien? Ouais, tout va très très bien. Ouais. C'est toujours aussi bon. Là, ce midi, j'ai arrêté les repas déshydratés pour le midi. Là, et j'ai ouvert du magret de canard fumé et du comté. C'était délicieux. Plus ça va, plus j'adore les trucs gras. Là, mon corps demande des calories. Doute bien. Est-ce qu'on a des questions dans l'assemblée? Alors, on a une question. Alors, on a une question de Marion. Alors, je ne sais pas si tu as entendu, donc je te répète. Est-ce que tu vois encore, là où tu es, des traces humaines, donc des déchets, des choses comme ça, des morceaux de plastique, quelque chose qui montre encore la présence de l'être humain ici, là où tu es? Donc, même si c'est avéré qu'il y a des traces
de microplastique partout sur Terre maintenant. Ici, j'ai pas encore vu de déchets, hein, mais j'ai vraiment pas encore parcouru la plage. J'allais faire un tour, il y a un petit lac un peu plus loin pour aller chercher de l'eau douce. Je passais par la plage. J'ai vu qu'il y avait des poteaux ou des pylônes en passant devant hier, mais je sais pas trop ce que c'est. Mais ouais, j'étais surpris sur la plage de pas trouver de déchets. J'imagine qu'ils ne viennent pas jusque-là. C'est plutôt chouette. C'est plutôt rassurant. Alors, on a une question de Cassien qui se demande pourquoi... C'est assez rassurant. C'est une bonne nouvelle parce qu'ils sont bien là, quoi, mais sauf qu'ils sont trop petits pour les voir. Sûrement. On a une question de Cassien auquel tu as en partie répondu tout à l'heure, mais qui se demande pourquoi il y a si peu de glace autour de toi. Est-ce que c'est lié à un phénomène météo C'est exactement ça. Hein. Donc la glace, elle bouge avec le vent et le courant. Il y a un petit peu de courant dans la baie, hein, mais là aujourd'hui, c'est surtout le vent. Le vent, il vient de la plage, là. Et il a poussé toute la glace de l'autre côté de la baie. Là, la glace que vous voyez devant, en fait, elle est échouée, elle touche le sol. Et donc, toute la glace est arrivée de l'autre côté et elle est en train de fondre, produire des vapeurs d'eau. Et c'est pour ça qu'il y a cette fumée blanche. Donc, moi, je ne sais pas trop comment je vais gérer ça parce que mon objectif, c'est d'aller là-bas. Et là, on peut imaginer tous ces blocs les uns contre les autres en train de bouger. Ça doit être un bon chaos. Donc, moi, je vais voir un petit peu Que j'apprenne justement à anticiper en fait le mouvement des glaces avec le vent et les courants. Donc, pour ça là, aujourd'hui et demain, ça va être pas mal de prendre le temps de l'observation pour voir un peu comment ça se passe. Ok. Et du coup, est-ce que tu as un objectif là dans les prochains jours justement que tu t'es fixé sur ton déplacement? Bon, alors j'ai suite à l'expérience d'hier qui était quand même un peu, je me suis mis un peu dans le rouge. Je me suis dit qu'il fallait surtout pas se mettre d'objectifs, en tout cas des objectifs de distance, parce que typiquement hier je me suis dit je vais atteindre cet endroit-là. C'était un petit peu au-dessus de mes objectifs de base, et je suis arrivé dans la zone, il n'y avait pas d'endroit où je pouvais bivouaquer, donc j'ai dû pousser plus loin. Et là, je me suis retrouvé dans une zone qui n'était pas facile à gérer. C'est comme ça, de fil en aiguille, je me suis retrouvé à faire une longue journée fatigante. Alors, non, l'objectif, c'est d'aller dans cette direction, de passer derrière cette île pour rejoindre un fjord glacé où je vais pouvoir faire des essais du bateau, en le tirant avec un harnais, j'espère. Et aussi, j'aimerais bien quand même avoir quitté cette plage pour le week-end, parce que à partir de samedi, je crois qu'ils annoncent du vent du sud, et cette plage est exposée face au sud. Et donc elle sera assez exposée au vent, et j'imagine que toute la glace va venir de ce côté-là aussi. Donc on va voir. En tout cas, il faut que j'attende que les nuages se lèvent pour partir, sinon je ne sais pas dans quoi je vais me lancer. Et vu que tu es sur une plage, est-ce que le marnage, donc la marée, est importante ou pas? Non, c'est pas important, ça doit faire à peu près 70 cm. Mais ce qui est étonnant, c'est de voir ce que ça donne, même un faible marnage sur de la glace qui bouge. Hein. En fait, les plus gros blocs de glace vont bouger plus vite, vont être plus sujets à la marée que les petits. Et ils détruisent tout sur leur passage, quoi. Et ils laissent un sillage de bateaux derrière eux. C'est assez impressionnant. Donc moi, j'ai encore aussi une question. Est-ce que tu as commencé à utiliser tes rames? Est-ce que, comment tu as utilisé le brise glace pour l'instant? Plutôt avec ta voile, plutôt avec tes rames, plutôt en le tirant? C'est plutôt avec les rames. Là, je n'utilise pas les cerfs-volants ici parce qu'il n'y a pas assez d'eau libre pour utiliser les cerfs-volants. Et les deux derniers jours, il n'y avait pas assez de vent. Donc là, c'est plutôt la rame. Et puis, dès que je suis sur la glace, comme c'est des glaces un peu compliquées, eh bien, il faut que je tire le bateau à la main. Là, je n'utilise pas de harnais.
physique, on imagine, quoi. On a une question de Cassien qui est assez. Pardon, aussi. Est-ce que c'est silencieux là où tu es? Est-ce que tu ressens ce silence? Pas du tout. Là, je pense que ce soir, ça va aller. Mais en fait, la glace, ça fait vraiment beaucoup de bruit. Vous pouvez imaginer, quand la banquise, elle est là, il y a à moins de, je sais pas moi, 50 mètres de toi, tu as un millier de glaçons qui bougent l'un à côté de l'autre. Et ça fait beaucoup, beaucoup de bruit. Et il y a un deuxième bruit que j'ai pas dans ce fjord-là, mais que j'avais dans celui d'avant. C'est qu'au fond de chacun des fjords, là, tu as des immenses glaciers. Des glaciers qui n'ont rien à envier à la mer de glace en France. Il y a des choses complètement gigantesques, démesurées. Et eux, parfois, l'âge de la glace, ça fait des coups de tonnerre. Les gros glaciers aussi, ils peuvent casser. Non, c'est pas du tout silencieux comme endroit. Peut-être et éventuellement, ce serait intéressant si tu as un petit peu de matériel pour faire de l'enregistrement, que tu nous fasses profiter de ces sons de glace qui se choquent et s'entrechoquent dans les prochains jours. Ouais, un des objectifs, juste un peu plus au sud ici, il y a un énorme glacier qui se jette dans l'eau et j'aimerais bien passer quelques jours à enregistrer un peu le bruit de la glace là-bas. Parce que je pense que alors, on a des nouveaux arrivants. Est-ce qu'on a des questions dans l'assemblée? Ah, ok, alors si, on a une question. Est-ce que tu peux nous faire un retour sur comment s'est passé ces premières visios avec les enfants qu'on imagine endurantes, parce que tu as dû en faire beaucoup déjà dès les premiers jours? Ouais, c'est un plaisir de revoir des enfants que j'ai vus. C'est un peu les fins connaisseurs du projet. Donc, je vois bien que les questions et l'intérêt évoluent. Alors que lors des premières questions, il y avait beaucoup de doutes sur la faisabilité de cette expédition et ils avaient aussi un petit peu peur pour moi. Là, maintenant qu'ils se sont. C'est bon, ouais. Ouais, c'est bon. Maintenant qu'ils se sont rendus compte que j'étais là, il y a plus de curiosité, plus de questions originales. Donc chaque visio est différente. Et puis il y a tellement de nouvelles choses ici que c'est aussi inépuisable pour moi comme sujet de discussion. Donc c'est beaucoup de plaisir. Ouais. Au début, j'avais un peu peur que ça fasse beaucoup parce que là, j'en fais entre 3 et 5 visios par jour. En fait, pas du tout. C'est vraiment un plaisir de voir tout le monde. Voilà, je fais des visios les mercredis, jeudi et vendredi avec les écoles, donc encore demain, et puis après ça sera la semaine prochaine. Ok, bah c'est super. Alors Vincent, je suis désolé, mais la régie technique me fait signe qu'on va arriver au bout de notre visio. C'était un plaisir de te revoir. Du coup, j'en profite quand même pour redire à tout le monde qu'on remet ça dans une semaine. Jeudi prochain, toujours à l'EduLab, on pourra à nouveau te voir et te poser plein de nouvelles questions. Je ne sais pas où tu en seras, tu seras sûrement dans un nouveau décor encore plus fou. Et puis bah voilà, à bientôt Vincent. Ouais, à bientôt tout le monde, merci de m'avoir appelé. Salut, à la semaine prochaine. Il a l'air en pleine forme, ouais. Ah oui. Merci à tous. On se retrouve dans une semaine, toujours ici. Préparez vos questions, il y en aura sûrement plein de nouvelles à poser. Et voilà. À la semaine prochaine. Salut.